d'abord, comment dire, on est très, très fiers, voilà, on est très fiers de vous accueillir chez nous et d'accueillir évidemment cette magnifique sculpture. On est un peu ému aussi. Et simplement, je voulais vous dire que vous arrivez dans la maison en plein travail. Et donc, nous n'avons fait, je dois dire, aucun effort ni de décoration. Voilà, tout à l'heure, on va aller dans notre accueil qui devient, comme toujours au moment où on travaille, une sorte d'atelier bis. En ce moment, à cause du coronavirus, c'est une sorte de salle à manger bis, parce que pour garder les distances, on mange là, là-bas, etc. Donc, soyez gentils, fermez un œil sur tout le désordre de l'arrière-boutique. Au fond, vous allez rentrer un peu dans l'arrière-boutique. Le soleil revient. Voilà, le soleil revient. Et non, c'est tout. Je vais laisser évidemment la parole à Marie, que je remercie de nous avoir tout simplement parlé de cette sculpture, de nous l'avoir fait connaître. Et parce que, ben, comme vous le savez, le secret, enfin, l'effacement est tel que nous n'en avions même pas entendu parler. Enfin, on aurait dû en entendre parler, mais j'avoue que nous n'en avions pas entendu parler. C'est donc Marie qui l'a porté à notre connaissance, et on est très heureux de l'avoir ici. On pense qu'elle est ici comme si elle y avait toujours été. Voilà. Chers amis, bonjour d'être là, si nombreux. Je reconnais presque toutes les grandes organisations défenseurs des droits de l'homme de Paris qui sont là, et c'est leur place, parce que aujourd'hui, donc, nous accueillons cette statue, et je voudrais que Wang Koping, qui est quelqu'un de terriblement discret et terriblement modeste, vienne se mettre à côté de moi. Où est-ce qu'il se cache, Wang Koping? Wang Koping, voilà, et Ching, voilà, et ni pu non nomme Ching Shua. Voilà, parce que je peux difficilement accueillir la statue. Il dit que c'est parce que mon français est mauvais. Je lui dis, t'as pas besoin de rien dire, t'as créé, ça suffit. Voilà, son œuvre a parlé pour lui. Voilà. Donc je vous ai présenté Wang Koping, maintenant il fait ce qu'il veut, mais j'aimerais bien qu'il reste là. Et je voulais juste vous raconter en quelques phrases d'où est venue cette idée de statue. C'était un jour où j'étais à la préfecture de police, j'accompagnais quelqu'un qui va aller chercher sa carte de séjour, et je reçois un coup de fil de Wang Koping en larmes, qui me dit « Liu Xiaobo est mort ». Et donc j'ai eu beaucoup de peine à ne pas fondre en larmes non plus, parce que j'étais à la préfecture, c'était pas le moment. Et on a très vite pensé tous les deux que la disparition de Liu Xiaobo telle qu'elle s'était faite, c'est-à-dire que non seulement il était mort en détention, non seulement il n'avait pas recouvré la liberté alors qu'il était à 2 ans de la fin de sa peine, mais encore il avait été effacé de la surface du monde, puisqu'on ne lui avait pas donné de sépulture, on avait jeté ses cendres à la mer pratiquement 2 à 3 jours après sa mort. Et tout ça pour nous c'était trop. Et donc Koping a dit, je voudrais créer une œuvre pour qu'il ait quelque chose en France où on puisse le commémorer. J'avoue que la nouvelle de la création de cette œuvre dédiée à Liu Xiaobo n'a pas suscité un enthousiasme phénoménal à Paris. Nous n'avons pas obtenu l'autorisation de l'exposer nulle part. Et je m'en suis donc confiée à Ariane il y a quelques mois. Et Ariane, avec beaucoup de simplicité, a dit « Bah, t'as qu'à la mettre ici !» Et j'ai dit « Bon, mais il faut quand même que je te présente Wang Koping !» Alors nous sommes venus, Wang Koping et moi, c'était le 5 juin au matin, c'était le lendemain de l'anniversaire du 4 juin. Et Ariane nous voit arriver, elle dit « Mais où est la statue ?» Alors Wang Koping est reparti avec un camion que Ariane a tout de suite loué pour lui. Et à 1 heure, la statue était là. Voilà. Donc cette statue vous attendait. Jusqu'à présent, nous n'avons pas parlé de sa présence ici, parce qu'il fallait un moment pour finaliser un peu son installation. Et
rendre à ce jour tout son honneur, parce que ce jour, c'est le 10e anniversaire du prix Nobel de la paix pour Liu Xiaobo. Donc c'est un jour très particulier. On peut dire que ce prix Nobel de la paix a été, à l'époque, un signe d'espoir extraordinaire pour la Chine, mais ça a aussi, d'une certaine façon, peut-être signé l'arrêt de mort de Liu Xiaobo. Qu'aurait fait la Chine avec un Nobel de la paix libre sur la terre de Chine, hein? C'était un vrai problème. Donc ils l'ont résolu comme ça, malheureusement. C'est quelque chose qui, personnellement, nous a tellement attristés, tellement ulcérés, que nous attendions ce moment où nous pourrions commémorer sa mémoire et dire qu'il avait quelque part sa place sur notre planète. Voilà. Donc, le voilà. Et je me permets aussi de saluer Cécile Coudreau aujourd'hui, qui vient en tant que, elle-même, bien sûr, présidente d'Amnesty International, mais aussi en tant que récipiendaire du prix Nobel de la paix de 1977. Et donc, nous voulions qu'il y ait du moins un prix Nobel de la paix vivant qui soit là pour accueillir le prix Nobel de la paix de Liu Xiaobo. Et pour ceux qui ne le savent pas, le prix Nobel de la paix d'aujourd'hui, ça a été attribué à la FAO. Alors ça c'est mieux. C'est le PNUD. Non, le PAM. Programme alimentaire mondial. D'accord, ben ça j'aime mieux ça. Bon, tant mieux. Donc voilà, c'est la succession, donc c'est encore la lutte pour les plus pauvres. Donc c'est aussi une bonne nouvelle. Je vous propose de continuer à l'intérieur parce qu'on est un peu inquiet quand même pour le temps. Et puis on va... Vous voulez rester là? Si vous voulez rester là, on peut rester là. Comme ça on peut enlever le masque, c'est quand même mieux pour parler aux gens. Ça c'est vrai. Alors, nous proposons bien sûr aux diverses organisations qui sont venues de prendre la parole. J'ai préparé quelques citations de Liu Xiaobo, ceux qui voudraient réciter quelques phrases de Liu Xiaobo. Et c'est Ariane qui va nous lire la plaidoirie de Liu Xiaobo. Des extraits de la dernière plaidoirie de Liu Xiaobo. D'accord. Alors, on va demander à Amnesty de prendre la parole. C'est Amnesty qui parle. Merci beaucoup, Marie. Vous m'entendez bien ? Donc, je suis Cécile Coudriou, je suis la présidente d'Amnesty International France et je me sens particulièrement honorée de pouvoir participer à cette commémoration du 10e anniversaire du prix Nobel attribué à Liu Xiaobo, il y a tout juste 10 ans, c'était le même jour, le 9 octobre. Ce prix Nobel, il l'a obtenu pour ses efforts durables et non violents en faveur des droits de l'homme en Chine. C'était un jour vraiment qu'on ne pouvait pas oublier, et je tiens à remercier tout particulièrement les organisateurs, bien évidemment le Théâtre du Soleil et Ariane Mouchkine, car c'est un événement véritablement important aujourd'hui. Ce prix Nobel, comme le rappelait Marie, en effet, Amnesty International a eu l'honneur de se l'avoir décerné en 1977. Il récompensait notre travail contre la torture, pour la justice et pour la liberté. Mais il y a une énorme différence, c'est que nous avons eu la chance de pouvoir aller le recevoir à Oslo, en direct, ce qui n'est pas du tout le cas, comme vous le savez, de Liu Xiaobo, qui lui était au fond de sa cellule, dans sa prison du Liaoning. On lui a en fait interdit cet honneur de recevoir ce prix Nobel, qui devait pourtant être si important pour lui. L'année précédente, il avait été condamné à 11 ans de prison pour ce que la Chine aime à appeler incitation à la subversion du pouvoir de l'État. Il avait en effet signé ou co-signé cet appel d'une charte devenue célèbre, la charte 08. Cette charte avait pour unique but de demander des réformes pour accéder à davantage de démocratie pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes.
très logiquement, notre organisation, Amnesty International, a immédiatement considéré Liu Xiaobo comme ce que nous appelons un prisonnier d'opinion. Et dans ce cas, nous demandons une libération inconditionnelle et immédiate, car cette personne n'a rien fait d'autre que d'exercer ses droits les plus fondamentaux. Le monde entier se souvient de cette chaise vide. Elle est devenue le message fort de sa présence empêchée lors de la cérémonie du prix à Oslo. C'est à travers ce même symbole qu'aujourd'hui, nous avons la joie de découvrir l'œuvre du sculpteur Wang Keping. Et grâce à cela, nous pouvons ensemble honorer la mémoire de cette figure de proue de la défense des droits humains et du militantisme pacifique. Ce symbole est devenu si fort à travers le monde que les autorités chinoises cherchent encore aujourd'hui à effacer notre mémoire, et en censurant l'expression même « chaise vide », ils espèrent empêcher l'accès à cette mémoire et à cet honneur que nous voulons faire aujourd'hui à Liu Xiaobo. La lutte pour le respect des droits humains est longue et difficile, parfois éprouvante et même si dangereuse qu'on peut y perdre la vie. L'histoire de Liu Xiaobo, mais aussi de sa femme, Liu Xia, est l'illustration même de ce qui nous pousse, nous tous et toutes, jour après jour, à nous accrocher à cet espoir et à œuvrer pour que nous puissions avoir un monde où chacun et chacune puisse se prévaloir de ses droits. Liu Xiaobo puis Liu Xia ont incarné, mais incarneront toujours, ce mouvement sans cesse renouvelé de résistance, d'opposition à une Chine qui restreint chaque jour un peu plus les droits des citoyens et des citoyennes. Liu Xiaobo en est mort. Son épouse Liu Xia a survécu. Mais quelle épreuve! Mais heureusement, elle a aussi prouvé, cette épreuve, que la communauté internationale pouvait se mobiliser jusqu'à obtenir la libération d'une personne détenue illégalement à résidence surveillée pendant près de 8 ans, dont 1 an après la mort de son époux, sans autre motif que le lien qu'elle avait avec celui-ci. La Chine, aujourd'hui, continue de harceler les courageux défenseurs des droits humains et leurs familles. Et elle ne cache même plus ses velléités de remodeler le système international censé garantir le respect des droits humains. Il est donc plus que jamais indispensable de commémorer le combat de Liu Xiaobo, car il nous rappelle avec force que les droits humains sont bel et bien universels et indivisibles, qu'ils doivent être garantis à tous et toutes, quelle que soit leur culture, quelle que soit la région du monde où ils sont nés. Liu Xiaobo, mais aussi Tashi Wangchuk, incarcéré depuis 5 ans pour avoir défendu la minorité tibétaine, Ilham Toti, également en prison, depuis 6 ans, lui, pour avoir défendu les droits des minorités ouïghours. Et bien sûr, l'avocat Gao Xinjiang, considéré aujourd'hui comme l'un des plus courageux avocats de Chine. Toutes ces personnes, parce qu'il y en a bien d'autres, la liste serait malheureusement très longue, sont la preuve que l'aspiration à la liberté et à la dignité humaine n'est pas moins chinoise qu'elle n'est française, brésilienne ou syrienne. Récemment, les citoyens chinois et les citoyennes chinoises ont encore bravé la censure pendant la crise de coronavirus, en inventant notamment un nouveau langage ou une façon de l'utiliser pour échapper à la censure sur Internet. Une fois encore, cela montre à quel point l'humain peut se révéler inventif, plein de ressources pour continuer à exercer et à défendre ses droits fondamentaux, même face à un État totalitaire. Indéniablement, la lutte de Liu Xiaobo en faveur des droits humains perdure aujourd'hui. Le plus grand hommage que nous puissions lui rendre tous ensemble est de la poursuivre, cette lutte, depuis la Chine, mais aussi de bien d'autres pays dans le monde, car nous avons un devoir de solidarité internationale et de reconnaissance de l'important héritage qu'il laisse derrière lui. N'oublions jamais Liu Xiaobo. Je vous remercie. Alors, maintenant, c'est la représentante de Human Rights Watch. Bonjour. Alors, moi aussi, je suis extrêmement honorée et émue d'être là aujourd'hui. Je trouve que la phrase de Marie sur le fait qu'on est ici pour honorer cette sculpture
qui permet à Liu Xiaobo d'avoir une place sur Terre. Je trouve ça très fort, très beau. Et c'est sans doute la meilleure expression pour lutter contre ces tentatives d'effacement des autorités chinoises qui, loin de se contenter d'avoir laissé mourir sous la garde de ces tortionnaires un prix Nobel de la paix, veulent maintenant complètement effacer sa mémoire au prix même de stratagèmes complètement hallucinants. Je vais commencer par lire une phrase que Marie m'a passée. Et je tiens aussi à vous remercier, Ariane Mouchetine, d'accueillir la sculpture. C'est vraiment extrêmement important et assez désolant aussi que d'autres lieux n'ont pas pu être envisagés. Je lis une petite phrase que m'a donnée Marie de Liu Xiaobo, qui s'appelle « L'oubli de la morale sous Hu Jintao ». Cet oubli est intimement lié à la stratification sociale dans la Chine contemporaine. Aujourd'hui, la primauté accordée à la morale et le consensus social des années 80 a été totalement démantelée. Afin de résoudre la crise de légitimité à laquelle il était confronté, le parti a élevé la stabilité politique au rang d'objectif ultime. Dans ce but, il n'a pas hésité à tout mettre en œuvre pour préserver une forte croissance économique, à acheter les élites de la société, à placer l'intérêt particulier au-dessus de tout et à polariser la société. Depuis la mort de Liu Xiaobo, le 13 juillet 2017, le gouvernement chinois n'a cessé de renforcer sa répression. L'imposition de la loi de sécurité nationale à Hong Kong en est l'un des derniers exemples flagrants, avec la suppression des droits fondamentaux des habitants de Hong Kong du jour au lendemain. La répression continue des autorités chinoises au Xinjiang contre les Ouïghours et contre les autres minorités musulmanes, ainsi qu'au Tibet, est d'une envergure et d'une sophistication terrifiante. Les défenseurs des droits en Chine subissent actuellement la pire persécution depuis la répression brutale des manifestations pacifiques sur la place de Tiananmen à Pékin, dans le pays, en 1989. Mais malgré l'environnement politique écrasant, leur lutte pour une Chine démocratique et respectueuse des droits et des libertés continue encore et aujourd'hui avec un courage admirable. Dans une déclaration qu'il avait faite vers la fin de ce procès en 2009, Liu Xiaobo avait dit « Aucune force ne peut mettre fin à la quête humaine de liberté et un jour, la Chine deviendra enfin une nation régie par la primauté du droit, où les droits humains auront une valeur suprême. » La pression internationale qui a tellement manqué face à l'assaut de la Chine contre les droits et les libertés commence à monter. Je citerai en particulier l'appel sans précédent en juin dernier de 50 rapporteurs spéciaux des Nations Unies appelant à des mesures décisives face aux violations massives des droits humains en Chine et à la mise en place d'un mécanisme de suivi des droits humains en Chine. L'appel mondial de 400 ONG au secrétaire général des Nations Unies et à la haute commissaire des droits de l'homme réunit de très nombreuses voix, du Venezuela à l'Azerbaïdjan, et qui font écho à cet appel sans précédent des rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Et cette semaine, à l'ONU, la déclaration conjointe de 39 pays qui ont critiqué de manière cinglante les abus des autorités chinoises à Hong Kong, au Xinjiang et au Tibet, reprenant la demande des 50 experts, brise enfin petit à petit le silence, trop tard, mais on peut quand même souligner le fait que la mobilisation de tous, notamment des sociétés civiles, commence à apporter ses fruits. L'héritage de Liu Xiaobo résonne toujours de manière extrêmement vibrante. Il inspire sans doute toutes celles et ceux qui se battent pour les droits et devrait inspirer les États à renforcer leur pression sur Pékin pour que celui-ci cesse sa répression impitoyable. Merci beaucoup. Merci à Bénédicte Jeanneraud d'être venue. Est-ce que Raphaël Chenul veut bien venir? Parce que Raphaël a sa part dans l'histoire de cette chaise vide. Lui aussi était scandalisé par le fait que
La chaise ne trouvait pas sa place à Paris, donc il l'a apportée à Bruxelles, ce qui était pas mal quand même. Et donc la chaise a été exposée pendant 2 semaines au Parlement européen. Moi, j'avais le secret espoir que, enthousiasmé par la présence de cette chaise, il l'aurait gardée au Parlement européen. Mais enfin bon, elle est passée et puis elle est repartie. Mais merci à Raphaël. Merci Marie. Merci Marie. En général, je parle assez fort. Je vais essayer. La honte. Vivre sous une dictature est une honte en soi. Mais ressentir cette honte n'est pas suffisant. Car ce n'est qu'en transformant la honte en véritable force que l'on peut mériter l'appellation d'être humain. Ces mots sont de Liu Xiaobo. Ces mots sont d'une force assez incroyable pour, justement aujourd'hui, pour nous rappeler que c'était un résistant par la plume, par ses livres, par la parole. Le gouvernement chinois n'a cessé d'essayer de faire taire cette plume, ces livres et cette parole. Il y est, dans un sens, un peu arrivé, puisqu'il est mort en détention, et que ça, on ne s'en remettra vraiment jamais. Mais c'est notre rôle de continuer à écrire, à parler et à se regrouper. En fait, c'est notre rôle à tous de continuer à résister. Et c'est ce que l'on fait. Alors, depuis des années, depuis que je suis le directeur général d'Ensemble contre la peine de mort, ECPM, je participe à cette résistance à mon humble niveau, mais beaucoup avec beaucoup de gens qui sont là, de visages, qui derrière ces visages, des organisations et des militants derrière ces organisations, qui relèvent le défi. Des fois, on s'est senti souvent bien seul. Et j'aimerais, au travers cette journée, à travers cet hommage à Liu Xiaobo, au travers cet hommage à Wang Keping qui porte la résistance par la culture, j'aimerais aussi faire un hommage tout particulier à Marie. Parce que Marie Holzmann, elle porte cette résistance et elle porte l'idée de ne pas se satisfaire d'être étouffée. Étouffée, bâillonnée. Alors on est tous un peu bâillonnés là, j'ai des gens bâillonnés devant moi. Mais ce n'est pas le même baillon et c'est un baillon que l'on peut enlever, que l'on souhaite enlever. Marie a travaillé depuis que je la connais de ses poches de résistance. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. Quand elle dit qu'on n'arrive pas à la faire accepter cette œuvre au sein de la France des droits de l'homme, au sein de Paris, ville, monde, ville des droits de l'homme, c'est c'est manifeste. Quand je vois... Nous avons beaucoup le privilège de traîner dans les couloirs de l'ONU à New York ou à Genève. On voit la machine infernale chinoise onusienne. Ils arrivent à éteindre ou à étouffer beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de lieux. Mais nous, on est là pour dire que non. On est là pour dire qu'il n'est pas question que la résistance se termine. Parce que toutes les violations aux droits de l'homme, l'ensemble des violations se retrouvent et sont résumées dans ce pays, la Chine. Les violations contre les minorités ethniques, religieuses, et on ne peut pas penser aux Tibétains, aux Ouïghours et aux autres minorités religieuses aujourd'hui, et même aux Falun Gong. On ne peut pas penser à tous les avocats. Les avocats sont des fois difficiles à gérer. Ils sont compliqués, mais les avocats sont le cœur de l'état de droit. Les avocats sont souvent la parole qui permet d'émerger. Et ce sont eux qui sont en première ligne, ce sont eux qui sont arrêtés, ce sont eux dont on n'a pas de nouvelles très souvent. Les artistes, je crois qu'il faut aussi, cette poche de résistance passe par l'art. Maintenant, je crois qu'il faut continuer ce travail. Nous, à notre humble niveau, comme l'a dit Marie, on a essayé de faire, au travers l'œuvre d'art de Wang Keping, parler de Liu Xiaobo, mais finalement parler des droits de l'homme en Chine, de l'abolition de la peine de mort en Chine, des milliers d'exécutions judiciaires, extrajudiciaires en Chine. Voilà ce que l'on essaye de faire à notre humble niveau, mais surtout il faut continuer. Alors, Liu Xiaobo avait eu le prix Nobel de la paix aujourd'hui, il y a très exactement 10 ans. Il se trouve que c'est aussi notre anniversaire à ECPM. Aujourd'hui, nous avons 20 ans.
Et nous ne voulions le fêter nulle part autre qu'avec vous, en fait. Aujourd'hui, nous voulions être là pour porter nos 20 ans, pour porter les 10 ans de ce prix Nobel de Liu Xiaobo, pour espérer que cette voix, ces lunettes, ce regard, continue à percer les barreaux et à nous rappeler que c'est la résistance qui pourra faire quelque chose en Chine. Donc, ayons les yeux ouverts, enlevons le masque quand nous pourrons, et puis levons la main haute, la main qui nous fera cette résistance, plutôt qu'une main bâillonnée. Donc j'appelle à la résistance et à la résistance de tous, et en France et ailleurs. Et je vous remercie. Merci à Raphaël de m'avoir donné une transition très pratique, parce qu'on va faire venir une de ces avocates insupportables, une avocate qui résiste. J'ai connu Daniel Merian il y a déjà, je sais pas, 10 ans peut-être, parce qu'elle trouvait que les avocats chinois passaient des moments très difficiles et elle avait l'idée farfelue d'aller en rencontrer sur place. Et je lui ai dit, mais Daniel, c'est pas possible. Elle m'a dit, si, et je veux emmener des avocats français pour les rencontrer. Je dis, mais ils sont persécutés, ils se cachent, ils veulent voir personne. Et elle était tellement têtue que j'ai fini par lui donner les noms de quelques avocats où ils étaient. Et elle y est arrivée. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle y est arrivée deux fois. Deux fois, elle a organisé des repas avec des avocats. C'était aussi une façon de dire, nous savons ce que vous souffrez, nous savons combien c'est dur d'être avocat en Chine, mais nous, les avocats français, on vient pour vous rencontrer. Alors, je donne la parole à Daniel quelques instants. Et je vous souviens que Daniel Merian est celle qui nous a engagés à nous souvenir que Paris était une fête au lendemain du massacre du Bataclan. La plus têtue de nous deux, c'est assurément Marie. Et Marie, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que lorsque je suis allée en Chine voir nos confrères dissidents, elle m'a remis de sa poche une grosse somme d'argent que j'ai pu leur donner. Donc, vous pouvez applaudir Marie. Elle me demande de lire ce texte sur la stratégie de jeter les dissidents hors de Chine. Dans sa répression des dissidents, le régime s'efforce d'éviter de créer des héros dotés d'une haute stature morale et d'une grande réputation à l'étranger. Il a compris qu'en forçant les dissidents connus à s'exiler, il fait d'une pierre deux coups. Il leur laisse un moyen de reconstruire leur vie et se fait bien voir de la communauté internationale tout en éliminant des adversaires politiques directs. En même temps, il écorne leur image morale auprès de l'opinion chinoise. Il affaiblit ainsi le dynamisme, la capacité de mobilisation et la cohésion des forces d'opposition de la société. Je voudrais ajouter aussi que la chaise vide, elle a été d'une façon extrêmement éphémère, exposée au cœur de Paris, à côté de Pompidou, entre la piscine de Nikita Saint-Phal et l'église Saint-Méry, pour l'anniversaire de la mort de notre prix Nobel de la paix, l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, que je représente aussi, a obtenu l'autorisation de poser la chaise quelques heures. Ce n'est pas brillant pour les autorités françaises, évidemment il n'y avait pas foule non plus, mais bon, ça fait quand même plaisir de penser que quelques heures, elle a été au cœur de Paris et on n'applaudira jamais assez Ariane Mouchkine pour avoir eu cette excellente idée de dire qu'elle vienne chez moi. Il y aura donc des milliers de spectateurs de tous les théâtres qui vont pouvoir l'admirer, savoir ce qu'elle signifie. Merci Ariane. Merci Ariane, ça on ne le dira jamais assez. Est-ce que Antoine Madelin maintenant veut bien nous dire quelque chose pour la Fédération internationale des droits de l'homme qui forcément doit être là aujourd'hui?
et qui voudra bien nous lire un texte. Merci. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Marie, d'avoir organisé cette commémoration. C'est difficile de ne pas être ému en étant ici, devant cette œuvre qui, je pense, transporte beaucoup de symboles. Je vois aussi dans cette œuvre et dans votre présence aussi ce que représente Liu Xiaobo. C'est la détermination. C'est celle que vous avez, vous, aussi, aujourd'hui. C'est l'espoir aussi qu'un monde meilleur est à venir. Et si nous nous y attelons, nous y arriverons. Je n'ai pas pu y penser aussi, j'ai pas pu ne pas y penser aussi aujourd'hui en voyant derrière cette chaise. Ils sont partis, il y avait des enfants qui jouaient. Ce sont ces enfants pour lesquels nous souhaitons avoir un meilleur monde. Ce sont ces enfants qu'ils soient ici ou là-bas, en Chine, si loin, mais en même temps, juste à côté de nous. Merci en tout cas à Marie aussi d'avoir porté cette initiative de nous faire lire le texte de Liu Xiaobo. Et donc je vais essayer à mon niveau de transmettre ces mots. Réflexion émise durant les années 2005-2006. Ce qui m'inquiète, c'est que les Occidentaux sont de nouveau en train de commettre une grave erreur aujourd'hui en ce qui concerne la Chine, le plus grand pays dictatorial du monde. La réalité dont les Occidentaux doivent se préoccuper en priorité est la suivante. Le parti communiste dictatorial d'aujourd'hui entre dans un bras de fer avec le monde libre. Nous ne sommes plus du tout dans la situation d'antan par rapport au régime classique du totalitarisme soviétique. Le PCC ne se soucie plus strictement de défendre l'idéologie ni la confrontation militaire. Il met l'accent sur le développement économique et ne se préoccupe plus trop de ses autres copains idéologues. Tout en réalisant la réforme de son marché, la Chine s'efforce de s'installer dans la mondialisation. Mais elle maintient son système politique de dictature et s'oppose de toutes ses forces à une transition politique pacifique à l'occidental. Ne voyez-vous pas que le pouvoir du PCC fait trébucher ses poches pleines de sous pour s'engager dans une diplomatie du fric avec le monde entier? Elle est déjà devenue une machine à transfuser du sang vers les autres dictatures. Elle utilise les intérêts commerciaux pour briser les alliances occidentales. Elle utilise le grand marché pour attirer et faire chanter les grandes entreprises. Mais face à ce grand pays dictatorial qui s'élève rapidement, il faudrait poser des contraintes rigoureuses extérieures pour encadrer cette émergence. Si on continue à proposer des compromis pacifistes, on ne fera que repasser sur les traces du passé munichois. Et le résultat ne sera pas seulement une catastrophe pour le peuple chinois, mais cela affectera aussi le processus de la mondialisation. Ainsi, il faudra empêcher l'émergence de cette dictature qui n'aura que des conséquences catastrophiques sur le monde civilisé. Il faut que le monde libre aide les plus grandes dictatures à se transformer le plus vite possible en pays démocratique. Des mots donc, réflexion émise durant les années 2005-2006, et nous sommes en 2020 avec la même actualité. Merci beaucoup en tout cas. Je voulais vous dire que Wang Keping a demandé à son ami, le penseur politologue Hu Ping, de chercher des phrases significatives de Liu Xiaobo, et il nous a proposé, entre autres, ce passage-là, que je trouve extraordinaire, parce que maintenant, pour nous occidentaux, ces phrases sont plus qu'acceptables. Il n'y a pas de problème. Maintenant, tout le monde le dit. Mais il aura fallu combien de temps avant que l'Occident comprenne ce que Liu Xiaobo avait déjà compris il y a 20 ans. Et il l'avait compris à la dure, d'ailleurs. Je voudrais aussi que Madame Geneviève Imbeau-Bichet s'approche un instant, parce que c'est elle qui a dirigé la publication des œuvres de Liu Xiaobo en français. Et ça aussi, ce n'était pas une mince affaire. Et grâce à elle, Liu Xiaobo a été publié chez Gallimard.
Et je rends hommage aussi à un de ses plus fidèles traducteurs, Jean-Philippe Béja, qui a beaucoup travaillé pour rassembler les œuvres, surveiller la traduction, traduire lui-même, et aussi témoigner régulièrement de ce qu'avait dit Liu Xiaobo et de ce qu'il représentait. Alors, est-ce que Mémorial 98 peut venir Albert est aussi un fidèle de nos manifestations et aussi l'ami de l'auteur d'un poème magnifique dédié à la chaise vide qu'elle va nous lire tout à l'heure, j'espère. Bonjour, ce que je n'appellerais pas un bâillon, mais une protection pour ma part. Mais c'est peut-être lié à ma profession. La dernière fois que je suis venu ici dans un esprit militant, c'était en 96, à l'époque des sans-papiers, auprès de qui j'étais engagé très fortement, du début à la fin, de l'église... Saint-Bernard. Non. Saint-Bernard, c'est à la fin. Saint-Ambroise, en mars 1996, jusqu'à la fin funeste à l'église Saint-Bernard, en août 1996, quand M. Juppé a fait défoncer la porte avec humanité. Mais pendant cette période, les sans-papiers ont été accueillis ici par le Collège des médiateurs à l'époque, si je me souviens bien des termes, et donc on venait très régulièrement ici. Évidemment, ça ne nous rajeunit pas, mais en même temps, ça nous rajeunit. C'est un tout autre contexte. Il y a eu beaucoup d'émotions, de remerciements. Moi, je voudrais parler de ma rage un peu en tant que militant contre l'impunité, en tant que militant contre le négationnisme, en tant que militant contre le racisme. Certes, le régime dictatorial chinois, d'autant plus coupable qu'il s'enroule dans un discours entre guillemets communiste, est parfaitement pervers et essaye d'avancer ses pions. Pendant longtemps, on a dit, mais la Chine n'a pas du tout d'intention ni belliqueuse ni politique, c'est juste l'économie. On voit bien actuellement à quel point tout ceci est faux, comme tout régime dictatorial d'ailleurs. Mais pour que des gens puissent être corrompus par la Chine, par le régime chinois, il faut qu'ils l'acceptent tout simplement. Quand M. Raffarin se transforme en lobbyiste du régime chinois, personne ne le contraint. Il est ancien Premier ministre. C'est pas un problème de moyens pour survivre ou de pression. C'est un choix qu'il fait. Quand l'ex-président François Hollande va en Chine il y a quelques années et ne prononce pas le nom de Liu Xiaobo pour ne pas froisser Xi Jinping, et quand il y retourne, il y a 2 ans, lui offre des livres progressistes, etc., serre la main, c'est un choix. Quand l'ancien ministre Jean-Marie Le Guen accepte de devenir, de siéger au conseil d'administration de la société de téléphonie Huawei, et donc de devenir un lobbyiste de cette société, il y en a sans doute beaucoup d'autres, c'est un choix de sa part. Ça n'est pas qu'il n'a pas de quoi vivre. Ça n'est pas qu'il a besoin de cela absolument. Mais c'est un choix. Bon. Et donc, comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de choix. Les dictatures, en général, sont fortes, évidemment, par la terreur, par les moyens militaires, par la répression féroce qu'elles exercent. Mais elles sont aussi fortes de par les soutiens ou le silence ou la lâcheté de ceux qui acceptent de jouer la musique que ces dictatures veulent bien développer. Là, il y a 39 pays qui font une déclaration à l'ONU, plus 13 pays de plus que l'an dernier, sur les Ouïghours, qui sont en train de devenir une cause vraiment très importante. Regardez même autour de vous dans Paris les collages, à la fois les collages contre les féminicides, plus des organisations, ce thème, il y a aussi le travail que fait Raphaël Glucksmann,
c'est un thème qui est en train de devenir fort. Donc, 39 pays font une déclaration sur les Ouïghours, sur les Tibétains, sur Hong Kong. Hong Kong, extraordinaire mobilisation réprimée. Extraordinaire mobilisation dans ce territoire avec les jeunes. Mais face à la déclaration de ces 39 pays, il y a une déclaration de plusieurs dizaines d'autres pays. Certains sont dépendants de la Chine en Afrique et donc sont amenés à faire cette déclaration. Ce sont d'ailleurs pour partie les mêmes pays qui, à l'époque de où Liu Xiaobo a eu son prix Nobel, il y avait eu une protestation sur le fait que le prix Nobel avait osé décerner son prix à ce dissident. Donc on retrouve les mêmes pays, mais dans ceux qui soutiennent le régime chinois, il y a aussi des pays qui n'ont absolument pas besoin économiquement de la Chine. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui sont les deux pays qui sont l'extrême droite de l'extrême droite dans le monde arabe, les plus répressifs et les plus dictatoriaux. Donc voilà. Ces pays étaient 56 et plus nombreux que les 39. Exactement, les 56 sont plus nombreux que les 39. C'est la réalité. C'est j'ai dit, il y a un certain nombre de pays africains qui sont lourdement dépendants du régime chinois. Donc on voit, il y a l'émotion, mais pour ma part, vraiment, je ressens une rage et un besoin d'intervenir, de me battre, de combattre, de nous engager tous ensemble dans ce combat pour la liberté, la démocratie, la justice et contre la dictature. Et j'espère que nous allons pouvoir, dans les années à venir, peut-être à travers le cas des Ouïghours, poser la question des dictatures et du régime chinois devant la société tout entière, en France, en Europe et dans le monde. Merci à vous. Du poème à la chaise vide. Marie, permets-moi. Je dis aux personnes qui commencent à avoir une légère lassitude des genoux ou du dos, asseyez-vous. Il n'y a pas d'irrespect à cela. Asseyez-vous. C'est un poème que j'ai écrit en 2018. Chaise colossale de 3 mètres de haut, tu nous toises de toute la magnificence de ta grandeur. Pour nous sortir de notre torpeur, chaise vide, emblème de la terreur. En 2010, Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix, évincé, incarcéré, condamné à purger des peines de prison répétées, fondées sur l'interdiction de réclamer le droit au respect de l'humanité. Liu Xiaobo, homme chinois fort de la situation, ulcéré, révolté de tant d'ignominies dont, entre autres, en 1989, le massacre de la place Tiananmen, si contesté par ce gouvernement avide de sang. Cette œuvre, la chaise vide du sculpteur Wang Keping, te rend les honneurs, spoliée par un gouvernement de l'horreur. Liu Xiaobo, tu as fait table rase de cette sombre ineptie, la vacuité, contre-performance, à soi, ta légitimité. Emplis l'espace du penseur libre. La chaise vacille, mais ne ploie pas. Liu Xiaobo, tu es décédé le 13 juillet 2017. Ton ombre démesurée d'hommes de cœur surplombe cette chaise d'envergure, 300 kilos, prête à recevoir en fer de lance toutes les victimes décimées et honorer leur mémoire. Chaise vide, tu nous incites, par ta caricaturale stature, à gravir les barreaux, escalader l'assise et nous tenir raide debout au garde à vous pour exalter ensemble de toute la force de nos cages thoraciques un air libérateur de l'intolérable et infernal opprobre avoir été citoyen du monde. Que ton âme continue à rayonner sur tous les océans. Merci.
merci beaucoup pour ce souvenir, cette évocation émouvante. Je voudrais encore donner la parole à la Ligue des droits de l'homme. Alain, merci de venir. Et puis, aussi tout à l'heure, à Pierre Aski, qui vient aujourd'hui en tant que président de Reporters sans frontières. Nous avions un vague espoir que ce soit Reporters sans frontières qui obtienne le prix Nobel de la paix aujourd'hui, mais bon, on ne peut pas l'avoir tous les ans. Hein. Cette chaise vide nous renvoie d'une certaine manière à l'actualité, à l'universalité de Liu Xiaobo. Liu Xiaobo n'est pas le premier qui n'a pas pu envoyer de représentant pour recevoir son prix de prix Nobel de la paix. Il y a, sous la période nazie, 1935, von Ossietzky, qui est mort d'ailleurs dans des conditions un peu voisines, puisqu'il est tombé malade et puis sorti de prison, il est mort très vite après, peu de temps après. Son avocat avait reçu le prix Nobel de la paix, à la différence de Liu Xiaobo. Il avait pu se rendre à Ossietzky. L'avocat avait pu. Ah, d'accord. En tout cas, cette communauté de situation de prix Nobel de la paix en détention, elle est assez symbolisée par cette chaise vide et que je trouve très émouvante. Maintenant, je voudrais dire deux mots sur la charte 08, qui est dont Liu Xiaobo était un des importants contributeurs. C'est un texte, malheureusement, que je trouve un peu trop oublié. Et malheureusement, parce que, finalement, je trouve que dans les propositions de réflexion fondamentale sur la manière dont la Chine devrait évoluer, je pense que depuis 2008, on n'a pas fait mieux. Et je trouve que c'est un texte à lire et à relire. Ces textes, en plus, alors que l'on s'inquiète quelquefois d'une passivité apparente de la population chinoise, a quand même été d'abord présenté par plus de 300 intellectuels, et après il a été co-signé au fil des mois et des années par quelques 10 000 Chinois, dont au moins 8 000 de l'intérieur. Il y a eu quelques Chinois de l'extérieur, mais ces 10 000 de l'intérieur, ils sont toujours là, et certains sont partis à l'étranger pour échapper à la répression, mais quand même beaucoup de ces 10 000 ont eu à payer leur signature. Bon, je ne rentre pas dans le détail de ce texte, mais peut-être on peut le résumer dans quelques phrases qui s'y trouvent. La liberté, l'égalité et les droits de l'homme sont des valeurs universelles de l'humanité, et la démocratie, les valeurs républicaines et le régime constitutionnel constituent les pierres angulaires d'un système politique moderne. En s'écartant de ces valeurs et de ce cadre institutionnel, toutes les tentatives de moderniser la Chine ne sont qu'un processus désastreux. Il ne fait que priver le peuple de ses droits, le corrompre et détruire sa dignité. Le citoyen doit être le souverain dans chaque pays. Il n'y a pas d'autre voie pour que la Chine s'en sorte. Maintenant, je vais me contenter. Je vais lire la citation que l'on m'a prié de lire. Tout pouvoir despotique considère la vérité comme son ennemi. Et non seulement il modifie, distord, occulte sa propre histoire selon sa propre volonté, mais il ne permet même pas de connaître la vérité historique sur les crimes dont il n'est pas responsable. C'est ce que l'on dit souvent en Chine, le passé est imprévisible. En fait, il est constamment réécrit en fonction des besoins du pouvoir en place. Quand Liu Xiaobo a été condamné, et là, c'est encore un problème d'actualité, il y a eu des réactions hors de Chine, des gens qui se préoccupaient ou
qui ont affecté de se préoccuper de son sort. Les Nations Unies, je ne sais pas par quelle porte-parole, se sont déclarées profondément inquiètes. Washington a demandé sa libération immédiate en sachant bien qu'il ne l'obtiendrait pas. Madame Merkel était consternée. Le chef d'État français Sarkozy et le premier ministre Fillon n'ont rien dit, mais Kouchner, du bout des lèvres, a appelé à la libération de Lucia Hugo, tout en sachant, bien entendu, que ça ne servait à rien. L'Union européenne a dit qu'elle était très préoccupée. Donc rien n'est obtenu dans ces conditions-là. On est content d'avoir dit quelque chose. On sait que ça ne sert à rien, donc ça ne gêne pas les relations avec la Chine. Et l'on passe à autre chose. Je pense qu'il serait temps que on n'accepte plus que les condamnations officielles, le refus, le rejet par les pays étrangers des condamnations, des incarcérations ou de l'expansion, la dénonciation de l'expansion militaire chinoise se heurte à des refus et que ces refus, eh bien, on les accepte comme tels et on continue à faire les choses comme auparavant. Et je pense que c'est, d'une certaine manière, Liu Xiaobo et sa lutte et sa ténacité nous invitent à ne pas baisser les bras. Merci beaucoup à Alain Bouc d'avoir rappelé cette fameuse charte 08, parce que c'est quand même le prétexte. Enfin, disons que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a provoqué cette condamnation de 11 ans par le pouvoir chinois. Donc c'était important d'en parler. Mais j'aimerais bien aussi juste citer en une phrase ce que 15 ans avant, Wei Jingsheng avait déjà écrit. Les quatre modernisations de la Chine, sans la cinquième modernisation de la démocratie, ne feront qu'apporter de la catastrophe. Il y a beaucoup de Chinois qui avaient compris ça. Hein. L'Occident met du temps à réagir. On parlait aussi de la vérité que les Chinois aiment tant cacher et du lien à l'histoire. J'ai visité le musée d'histoire de la Révolution à Pékin en 1978, je crois. Et on avait enlevé toutes les légendes concernant l'empereur Qin Shi Huangdi, qui est mort en 221 avant Jésus-Christ. Alors j'ai demandé pourquoi, et on m'a répondu, on n'est pas encore sûr si c'est un personnage positif ou négatif. Alors on va demander à Pierre Haski d'apporter la vérité et la vraie information sur Liu Xiaobo. Merci Marie. Une quinzaine d'années avant le prix Nobel, Liu Xiaobo a reçu un prix moins prestigieux, moins rayonnant que le prix Nobel. C'est le prix de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, qui ne lui a jamais été remis, puisque les circonstances n'ont pas permis de le faire. Et le mois dernier, Liu Xia était à Paris et elle est venue rendre visite à RSF, dans les locaux de RSF, et elle était dans le couloir où il y a les portraits de tous les lauréats du prix de la liberté de la presse depuis une trentaine d'années. Et elle s'est arrêtée à un moment devant la photo de Liu Xiaobo, une très belle photo un peu rayonnante où il avait un visage radieux. Et elle est restée devant ce portrait pendant de très longues minutes avec les larmes aux yeux. C'était un moment très fort, mais qui réconciliait deux moments d'histoire qui étaient restés déconnectés jusque-là. Liu Xiaobo n'était pas journaliste, évidemment, et donc on pourrait dire un prix de la liberté de la presse, ça peut être surprenant, mais dans un pays où il n'y a pas de liberté de la presse, toutes les formes d'expression sont à défendre et à encourager, et Liu Xiaobo était un ardent défenseur de ces libertés d'expression au pluriel, et la charte 08 dont on parlait il y a quelques minutes préconisait parmi ses nombreuses préconisations la liberté de l'information, de la presse de manière totale, et donc il était parfaitement légitime que Liu Xiaobo ait ce prix.
Je pense qu'un des enjeux aujourd'hui, dans cette commémoration 10 ans après le prix Nobel, c'est évidemment l'enjeu de la mémoire. Dans mon autre casquette de journaliste, j'ai fait un documentaire sur Liu Xiaobo qui est passé il y a 2 ans maintenant. Et j'avais été frappé en circulant dans pas mal de pays pour revoir ses amis, de cette mémoire qui s'estompait à grande vitesse. Le nom de Liu Xiaobo est aujourd'hui occulté, caché, gommé par évidemment le pouvoir chinois. Donc à l'intérieur de la Chine, ça marche. Mais il faut bien le dire aussi à l'extérieur, et le fait que l'aventure ou la mésaventure de cette chaise le montre, il y a un véritable enjeu à maintenir cette mémoire vivante, active, forte, à l'extérieur, pour le jour où, et moi c'était ma démarche en faisant ce documentaire aussi, pour le jour où il sera possible de la raviver à l'intérieur de la Chine, car il y aura un jour une demande de redécouvrir des nouvelles générations qui aujourd'hui grandissent sans avoir la moindre idée de l'existence même de cet épisode et de personnages comme Liu Xiaobo, mais ce n'est pas le seul. Et donc l'enjeu de la mémoire est fort. Et un dernier mot, il y a une certaine logique et à ce que cette chaise se retrouve dans un théâtre, parce que la première personne qui a écrit au comité Nobel pour demander à ce que ce soit Liu Xiaobo qui ait le prix Nobel de la paix, c'est Václav Havel, un dramaturge, prix Nobel de la paix lui-même, dissident puis président, et Václav Havel qui a d'ailleurs préfacé l'un des livres qu'a publié Geneviève sur les écrits de Liu Xiaobo. Il y avait une connexion intellectuelle et humaine forte, je pense, entre ces deux esprits qui n'ont pas pu se croiser, mais qui, à des années d'intervalle, dans des contextes différents, mais avec quand même de fortes similitudes, ont connu des chemins semblables. Liu Xiaobo n'a pas été président, mais il a été prix Nobel. Et donc, le théâtre les réunit aujourd'hui, et c'est tant mieux. Et d'une certaine manière, il y a une sorte de serment, le serment de la cartoucherie que nous devrions tous faire, de maintenir cette mémoire et de faire que on ne soit pas complice de l'effacement progressif de l'existence même de Liu Xiaobo qui est à l'œuvre aujourd'hui de la part du pouvoir chinois. Merci. Il y a encore beaucoup de personnes qui pourraient témoigner pour Liu Xiaobo, et vous voyez, chacun d'entre eux apporte une nouvelle facette et nous aide à mieux comprendre ce très grand personnage qui était Liu Xiaobo, et puis sa descendance historique de la charte 77, évidemment. Donc ça, c'était un point très important, mais le temps n'est pas sans fin. Donc je voudrais qu'Ariane Muskin nous lise le dernier plaidoyer de Liu Xiaobo. Et Jean-Philippe Béja m'a raconté tout à l'heure que Ariane a la possibilité de lire jusqu'au bout, alors que Liu Xiaobo a été interrompu, pardon, au bout de 14 minutes, c'est ça. Donc le discours du procureur. Le procureur ayant parlé 14 minutes, on a donné 14 minutes. Ah d'accord. Donc le procureur ayant parlé 14 minutes, il n'était pas question de donner plus de 14 minutes à Liu Xiaobo. Alors je ne sais pas si on va autoriser Ariane Muskin à parler 14 minutes, mais enfin, on va voir. Merci à vous tous. Avant de commencer à lire le texte de Liu Xiaobo, je voulais dire que des oratrices et des orateurs m'ont abondamment remercié, mais que, évidemment, cette chaise, c'est le Théâtre du Soleil et la cartoucherie tout entière qui l'accueille. Voilà. Et c'était une décision unanime, immédiate, mais dont j'ai quand même parlé aux autres, et ils étaient ravis de partager l'honneur d'accueillir cette chaise. Voilà. Ça va, Pascal? C'est pas trop, là? Je n'ai pas d'ennemis. Sur le chemin de la vie dont j'ai parcouru la moitié,
Le mois de juin 1989 représente un tournant important. Avant cette date, ma vie universitaire s'était déroulée sans aucun problème. Après mon diplôme, j'étais devenu enseignant à l'Université normale de Pékin. Sur l'estrade, j'étais un professeur populaire parmi les étudiants et en même temps un intellectuel public connu. Au cours des années 80, mes articles et mes livres eurent un grand impact et je fus souvent conviée à prendre la parole dans tout le pays. Je fus aussi professeur invité en Europe et en Amérique. Dans la vie, comme dans l'écriture, je m'imposais le devoir suivant. Je devais être sincère, responsable et digne. Mais en 1989, revenu des États-Unis pour participer au mouvement démocratique, je fus emprisonné pour crime d'incitation contre-révolutionnaire, privé de cette estrade que j'adorais, du droit de publier et de faire des conférences en Chine. C'était une tragédie non seulement pour moi, mais aussi pour la Chine, entrée déjà depuis 30 ans dans le processus de réforme et d'ouverture. 20 années ont passé. Les âmes innocentes du 4 juin ne connaissent toujours pas le repos, et moi, qui avais été conduit vers la dissidence par le 4 juin, dès ma sortie de la prison de Qincheng en 1991, je fus privé du droit de parler en public dans ma propre patrie. Je fus surveillé pendant toutes ces années, détenu à mon domicile de mai 95 à janvier 96, envoyé en rééducation par le travail d'octobre 96 à octobre 99. Et aujourd'hui encore, je suis cloué sur le banc des accusés par cette habitude qu'a notre pays d'inventer des ennemis du pouvoir. Cependant, à ce pouvoir qui me prive de ma liberté, je veux encore dire que je persiste dans la conviction que j'avais affirmée il y a 20 ans lors de ma déclaration de grève de la faim du 2 juin. Je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas de haine, ni les policiers qui m'ont surveillé et suivi, ni ceux qui m'ont arrêté et interrogé, ni le procureur qui m'a poursuivi, ni les juges qui m'ont condamné ne sont mes ennemis. Parce que la haine peut éroder la sagesse et la conscience d'une personne. Parce que l'habitude de créer des ennemis partout peut empoisonner l'esprit d'une nation, fomenter des luttes à mort, détruire l'humanité, la tolérance d'une société et faire obstacle à la marche d'un pays vers la liberté et la démocratie, je souhaite être capable de transcender mon expérience personnelle pour envisager le développement du pays et les changements de la société, pour faire face avec bienveillance à l'inimitié du pouvoir et répondre à la haine par l'amour. Chacun sait que ce sont les réformes et l'ouverture qui ont permis le développement de l'État et les changements de la société. Je pense qu'elles ont commencé lorsqu'on a abandonné les principes de la lutte des classes comme axe de l'époque de Mao, pour se convertir au développement économique et à l'harmonie sociale. Le processus d'abandon de la philosophie de lutte est également un processus d'atténuation progressive de la mentalité d'ennemi, de la psychologie de haine qui avait empoisonné notre humanité. C'est bien ce processus qui a permis de créer un climat détendu à l'intérieur et à l'extérieur pour la réforme et l'ouverture. C'est lui qui a fourni les bases de douceur et d'humanité qui ont permis de rétablir l'amour entre les hommes et la coexistence entre valeurs et intérêts différents. Ce sont les encouragements humanistes qui ont permis le rétablissement de la compassion et l'explosion de la créativité. Même dans le domaine politique où les progrès ont été les plus lents, cette atténuation de la mentalité d'ennemi a conduit le pouvoir à montrer une tolérance chaque jour croissante à l'égard de la diversification de la société. Les persécutions à l'égard des opinions dissidentes ont nettement diminué. Par exemple, la qualification du mouvement de 89 est passée d'émeute et chaos à tempête politique. L'atténuation de la mentalité d'ennemi a conduit le pouvoir à accepter le principe de l'universalité des droits de l'homme. En 1998,
Le gouvernement chinois a pris l'engagement devant le monde de signer les deux pactes des Nations Unies sur les droits de l'homme, montrant ainsi la reconnaissance par la Chine des critères universels de ces droits. En 2004, l'Assemblée populaire nationale a introduit dans la Constitution un amendement stipulant que l'État respecte et garantit les droits de l'homme, montrant que les droits de l'homme sont aujourd'hui devenus l'un des principes fondamentaux de l'État de droit en Chine. En 1996, j'avais été à Banbuchao, anciennement Beikan, et par rapport à 10 ans auparavant, on notait au nouveau Beikan une immense amélioration, tant dans les installations que dans la gestion. Notamment la gestion humaine, y reposait sur le respect des droits des détenus et s'exprimait dans le comportement plus flexible et dans chacun des actes et chacune des paroles du personnel pénitentiaire. Elle s'incarnait dans les émissions de réconfort de la radio interne, dans la revue Prendre conscience de ses erreurs et se repentir, dans la musique avant le repas, au réveil, au coucher. Cette gestion donnait aux détenus un sentiment de dignité et de chaleur. Elle leur faisait prendre conscience de la nécessité de maintenir leurs cellules propres et bien rangées et de s'opposer à la tyrannie des chefs de cellules. Non seulement elle leur fournissait un cadre de vie humain, mais elle améliorait nettement leur état d'esprit et leur environnement pour la conduite de leurs affaires. C'est justement en raison de cette expérience que je reste convaincue que les progrès politiques de la Chine ne sauraient s'arrêter et que je suis emplie d'optimisme quant à l'avènement d'une Chine libre, car aucune force ne peut entraver le désir humain de liberté. La Chine deviendra un état de droit où les droits de l'homme régneront en maître. J'espère aussi que ces progrès s'appliqueront à mon procès, tandis que j'attends le verdict impartial que rendront mes juges, un verdict qui résistera au jugement de l'histoire. Si l'on me permet de le dire, ma plus grande chance depuis 20 ans, c'est d'avoir pu jouir de l'amour totalement dépourvu d'égoïsme de mon épouse, Liu Cha. Aujourd'hui, elle n'a pas pu venir assister au procès. Mais je veux encore te dire, mon amour, que je sais que ton amour pour moi n'a pas changé. Au fil des années, dans ma vie privée de liberté, notre amour a subi l'amertume imposée par l'extérieur. Mais en y repensant, il est toujours sans limite. Je purge ma peine dans une prison réelle. Tu attends dans la prison invisible du cœur. Ton amour est un rayon de soleil qui saute les hauts murs et s'infiltre à travers les barreaux pour caresser chaque centimètre de ma peau, réchauffer chacune de mes cellules. Il me permet de conserver une paix intérieure infinie, une ouverture et une grandeur d'âme, et emplie de sens chaque seconde que je passe en prison. Mon amour pour toi, assailli de culpabilités et de regrets, me fait parfois tituber sous son poids. Je suis un rocher dans ce monde sauvage, fouetté par un terrible orage, si froid qu'on ne peut le toucher. Mais mon amour est solide, aigu. Il peut traverser tous les obstacles. Même si j'étais réduit en poussière, je t'embrasserai avec mes cendres. Mon adoré, avec ton amour, j'affronterai imperturbable le procès à venir. Je ne regrette pas mes choix et j'attends demain avec optimisme. J'espère que je serai la dernière victime de l'incessante inquisition intellectuelle et qu'après moi, nul ne sera incriminé pour ses paroles. La liberté d'expression est la base des droits de l'homme, le fondement de l'humanité, la mère de la vérité. Étrangler la liberté d'expression, c'est donc fouler aux pieds les droits de l'homme, étouffer l'humanité, supprimer la vérité. Je ne me considère pas comme coupable parce que je n'ai fait que mettre en œuvre mon droit constitutionnel à la liberté d'expression
et que j'ai fait tout mon possible pour assumer mes responsabilités sociales en tant que citoyen chinois. Mais si je suis accusé pour cela, je ne m'en plaindrai pas. Merci à tous. Je crois que nous partageons, non pas doublement, mais 1 milliard de fois, l'émotion d'Ariane. Parce que ce qu'a écrit Liu Xiaobo, on dirait en anglais « wishful thinking ». Je crois qu'il n'était pas dupe de ses écrits. Mais il envoyait ce message au monde, de dire « 1 milliard de Chinois veulent ce que je dis ». Et maintenant, 10 ans plus tard, je n'ai pas besoin de vous dire où on en est. Hein. Non seulement Liu Xiaobo a été condamné, non seulement il est mort, mais la situation des droits de l'homme en Chine a pris une tournure épouvantable. Alors, je donne les dernières minutes de parole à celui qui, en France, est là pour défendre les droits de l'homme au nom de la France. Et je demande à François Croquette d'avoir le difficile devoir de conclure cet hommage à Liu Xiaobo en tant que donc ambassadeur aux droits de l'homme. Bonjour à toutes et à tous. Il me semble difficile de conclure après les mots que nous avons entendus de Liu Xiaobo, lus par Ariane Mouchkine. Je voudrais dire juste 2 choses pour ne pas ajouter un silence à une double absence. La première absence, nous l'avons tous dit aujourd'hui, c'est celle de Liu Xiaobo. 10 ans après l'attribution de son Nobel, 3 ans après sa mort, moi aussi j'ai pu avoir l'honneur de rencontrer Liu Xia, sa veuve, cet été à Paris, et j'ai pu mesurer le chagrin, la douleur physique que représentait pour elle et pour ses proches chaque jour qui passe cette absence. La deuxième absence, elle ne vous aura pas échappé, c'est celle de presque tout représentant officiel de tout élu de la République aujourd'hui. En diplomatie, ça s'appelle la politique de la chaise vide. Et je voudrais simplement témoigner par ma présence au nom de tous ceux, de toutes celles qui refusent l'oubli, qui refusent cette politique, pour vous dire que nous sommes avec vous, vous les artistes, le Théâtre du Soleil, vous les militants des ONG qui aujourd'hui encore sauvez notre honneur. Merci à vous. Très importante, en face de moi, pas derrière, en face, c'est Bernard Henry qui, pour Amnesty International, a fait la captation de tout ce qui a été dit de cette cérémonie. Et donc, retenez son nom si vous voulez avoir, je ne sais pas comment on fait, un lien. Ou... Bon, vous nous direz comment faire. Merci beaucoup et bon goûter.